They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. De façon à ce que, jusqu'à ce qu'on entende une sorte de vrombissement qui dit que les abeilles ont compris le message et donc se tiendront coin tranquille. Alors on pose donc le cadre nourrisseur et comment dire, les met dans un état de vrombissement. Et donc elle préfère battre des ailes et vrombir plutôt que de venir nous agresser. Et alors là, ce stade-là... Mais tu ne te protèges pas les mains là, du tout là. Non, non, au niveau des mains, ça va. Alors, à ce stade-là, ben voilà un cadre ou gâteau dans lequel il y a les trois quarts de la place qui est occupée par donc des alvéoles remplies de miel. Et il est assez complet d'un seul côté, il n'y a rien de l'autre côté. Et nous avons oublié une abeille dessus. Et cette abeille, c'est une abeille assez jeune. On la reconnaît parce qu'elle est encore grisâtre. Hein, on appelle ça une jeune abeille grise. Et généralement, ces abeilles-là sont tout à fait inoffensives. Oui, il va tout piquer. Alors, on va vérifier. On va vérifier s'il n'y en a pas d'autres. Pour répondre à ta question, nous avons eu l'occasion d'avoir quelques ruches par un ami de René Huard. Et du reste, c'était peut-être un vieux rêve d'avoir des abeilles et d'en extraire le miel et d'en goûter le miel. Et ben, c'était l'occasion de mettre à exécution ce vieux rêve.